Bon, je vous jure, je voulais pas y revenir. Non, on l'avait traité une fois, j'avais pas envie d'y revenir, mais là, franchement, je suis obligé. Il faut que je vous reparle des vulves de Clodius. Eh ben oui, écoutez, vous le savez, je vous en ai parlé de ce joyeux Uluberlu qui sculpte des ovales approximatifs sur tous les caillasses de l'Ariège et qui appelle ça des vulves. Bon, eh bien, il se trouve que l'Office du tourisme du Mas d'Asile, la riante cité où Clodius de Caplan a ses pénates et son affabuloscope, l'a déclaré persona non grata à cause du tourisme familial, dit-on, et des risques de dérapage pornographique en tout genre, à cause des vulves. Eh bien, je suis d'accord, trop c'est trop, trop de vulves à tout bout de champ n'est plus supportable, je suis d'accord. Mais, que ce soit l'Office du tourisme du Mas d'Asile qui crie à la pornographie, là non, parce que, enfin, quand même, c'est au Mas d'Asile, sous l'égide bienfaisant et bienveillant de l'Office du tourisme que chaque année, m'entendez-vous, chaque année, on fête la figue. Tu le crois? Tu m'entends? La figue, tu vois? La figue, ça te parle? La figue molle, suspendue en bout de branche. La figue, oui, la fête de la figue, c'est au Mas d'Asile. Là où on craint tant pour les chères têtes blondes. La figue, ça veut dire que pendant 2 jours au Mas, grâce à l'Office du tourisme, eh bien, on fête la figue, on fait goûter du jus de figue à nos chères têtes blondes. Oh, on fait manger de la confiture de figue, dont la recette est, paraît-il, tenue depuis des temps immémoriaux par une seconde ligne de l'équipe du Mas. La figue, pendant 2 jours, on fait palper des figues à nos chères têtes blondes. Non, cette pornographie doit cesser, ça ne peut plus durer. Donc, d'un côté, il faut cesser la fête de la figue, et d'autre part, Clodius, désormais, tu sculpteras des abricots, Clodius, des abricots, cet ovale si doux, si voluptueux, si sucré, hein, de l'abricot, Clodius, de l'abricot, du fruit, fut-il défendu, rien que du fruit, et dans le monde apaisé du Mas d'Asile, les chers papas qui craignent pour leur tête blonde et leur éducation, entre 2 voyages dans un Sofitel new-yorkais, eh bien, pourront aller alternativement de la fête à la figue, à la fête aux abricots. Et si ça pose encore des problèmes, on passera aux légumes. Et désormais, on fêtera les asperges. Allez, santé, intelligence, et vive les fruits défendus.